êtes actuellement dans l'atrium de la Cour des comptes. Pendant mon stage, j'ai fait mon stage à la Cour des comptes, au sein de la direction des systèmes d'information. Pour ma soutenance, j'étais donc avec Monsieur Famy, donc le directeur de la filière ingénierie financière au sein de l'ECE. Lorsque Samy a commencé à faire Maths-Sup, Maths-P pour entrer ensuite à l'ECE, je suppose qu'il n'imaginait pas qu'un jour il allait à la Cour des comptes, cette prestigieuse institution fondée par Napoléon Bonaparte. L'ingénierie financière au sein de l'ECE, c'est une filière basée sur l'IT et la finance de marché. Donc c'est une filière très intéressante pour des gens qui sont bons en maths et qui veulent s'ouvrir sur le monde de la finance. La Cour des comptes est au cœur de la finance de la République et tous les comptes publics sont audités par la Cour des comptes. Dans ce cadre-là, il apporte aussi une technicité du point de vue information, technologie de l'information, puisqu'il a travaillé à la DSI de la Cour des comptes. Pour les étudiants qui aiment l'IT, mais qui veulent aussi donc s'ouvrir à d'autres domaines, et notamment des domaines non scientifiques, j'ai réalisé un cadre de cohérence technique pour cette direction des systèmes d'information. Ensuite, j'ai eu à réaliser les intranets de chambres régionales des comptes, donc qui dépendent de la Cour des comptes. Ça ouvre le spectre des choses, des perspectives que peuvent faire un ingénieur de l'ECE en général et en particulier à la spécialisation finance. C'est mon stage de fin d'études, donc c'est un aboutissement à la fois de mes 3 années passées à l'ECE et un aboutissement de mon parcours scolaire. Donc c'est un peu le couronnement de mes études.